Bonjour à tous, c'est CBPAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math numéro 66. Dernière vidéo pour préparer la rentrée. Cette vidéo est destinée pour ceux qui vont rentrer en terminale ES et ceux qui font SPMAT pour la série L. Donc comme d'habitude, 10 questions. Pour travailler efficacement cette vidéo, vous pouvez mettre en pause la vidéo quand Virginie énonce des 10 questions. Et moi, je vais vous donner la correction des 10 questions à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Préparation pour la rentrée de terminale ES. 1. Le capital d'une entreprise est passé de 638 millions d'euros en 2015 à 725 millions d'euros en 2016. Quel a été le pourcentage d'augmentation du capital entre 2015 et 2016? 2. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f, qui a x associé racine de moins 3x plus 1? 3. Donnez les racines du polynôme p de x égale à x au carré moins 4x plus 4. 4. Quelle est la fonction dérivée de la fonction f définie pour tout x appartenant à R par f de x égale à 2x au carré plus 1? 5. Donnez les 5 premiers termes de la suite u définie pour tout n appartenant à n par un égale à 2n moins 1. 6. On donne la série statistique suivante. Xi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni, 5, 11, 8, 9, 15, 4, 2. Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type de cette série. 7. On place un capital de 200 euros sur un compte, dont les intérêts annuels s'élèvent à 2,5%. Calculer le montant du capital au bout de la troisième année. 8. Factoriser le polynôme p de x égale à 4x au cube moins 2x au carré moins 7x plus 1, comme produit d'un trinôme du second degré, et d'un polynôme du premier degré. 9. Une urne contient 4 boules vertes et 2 boules jaunes. On tire successivement avec remise 3 fois de suite une boule. On note x la variable aléatoire, qui prend comme valeur le nombre de fois qu'on a tiré une boule jaune lors de cette expérience. Déterminer la probabilité que x égale à 2. 10. Déterminer le sens de variation de la fonction f, qui a x associe 3x au carré moins 2x plus 1. Alors, première question. Le capital d'entreprise est passé de 638 millions d'euros en 2015 à 725 millions d'euros en 2016. Quel a été le pourcentage d'augmentation? Alors, on va oublier les millions d'euros, on va se concentrer à 638. Donc ça, c'est la valeur initiale. Et 725, c'est la valeur finale. Donc, pour avoir le pourcentage d'augmentation, c'est 100 fois VF moins VI sur VI. Donc c'est égal à 100 fois 725 moins 638 divisé par 638. Donc c'est égal à 100 fois 0,14, donc à peu près égal à 14%. Donc le pourcentage d'augmentation du capital entre 2015 et 2016 était de 14%. Deuxième question, quel est l'ensemble de définition de la fonction f qui a x associe moins 3x racine carrée de moins 3x plus 1? Alors, la racine carrée de x est définie, c'est seulement si x positif. Donc la racine carrée de f de x définie, si et seulement si f de x est supérieur ou égal à 0. Donc ici, il faut résoudre moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc moins 3x supérieur ou égal à moins 1, x, donc là on divise par un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité, x inférieur ou égal à 1 tiers. Df est égal à, donc tous les nombres qui sont inférieurs à 1 tiers, moins l'infini, 1 tiers fermé. Donc on ouvre à moins l'infini et 1 tiers, on ferme. Quatrième question, quelle est la fonction dérivée de la fonction f? Donc f de x est égal à 2x carré plus 1. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme de la dérivée. Donc, f' de x, ça va être la dérivée de 2x carré et plus la dérivée de 1. La dérivée de 1, c'est facile, c'est 0. Et la dérivée de 2x carré, donc c'est k fois u. Donc, la dérivée de k fois u, c'est ku', donc 2 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, la dérivée f', c'est 4x. Cinquième question. Un est égal à 2n moins 1, on doit donner les 5 premiers termes de la suite. Donc u0, on remplace en fait n successivement par 0, 1, 2, 3 et 4. Donc u0 c'est 2 fois 0 moins 1,
2 fois 0, c'est 0, donc c'est égal à 1. U1, c'est 2 fois 1, moins 1, 2, moins 1, 1. U2, 2 fois 2, moins 1, 4, moins 1, 3. U3, 2 fois 3, moins 1, 6, moins 1, 5. U4, 2 fois 4, moins 1, 8, moins 1, 7. Et on remarque que ici, l'écart entre deux termes de la suite, c'est 2. Donc il y a un écart de 2 à chaque fois. On rappelle les formules, quelques formules. Donc là, c'est NIXI. Donc la moyenne X bar, c'est donné par la somme de I est égal à 1 à P de XI. Donc NIXI. NIXI sur grand N. Grand N, c'est la somme des NI. Grand N, c'est la somme des NI. Donc ici, bah, ça va être 1 fois 5, plus 2 fois 11, plus etc., etc., plus 7 fois 2, divisé par la somme des NI, la somme des effectifs. Donc 54. La variance est donnée par sur N, donc la somme de I égale à 1 à P de NI XI moins X bar. Donc ici on trouve égal à 3,70 à peu près. Et la variance c'est à peu près égal à 2,61. Et donc racine de la variance pour avoir l'écart type. L'écart type ça va être 1,61. Bon, septième question, place un capital de 200 euros sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 2,5. On calcule le montant au bout de la troisième année. Donc, c'est 3. Donc, C0, ça va être égal à 200. Cn, ça va être égal à 200 fois donc, le pourcentage d'augmentation. Donc, c'est 1,025 puissance n. Donc, C3, c'est 200 fois 1,025 puissance 3. Et donc, c'est égal à 215,4 euros. Donc, le montant du capital au bout de la troisième année est de 215,4 euros. Huitième question. Alors, on a P de X est égal à 4X puissance 3 moins 2X au carré moins 7X plus 5. On veut... Alors ici, la racine évidente, donc racine évidente, c'est 1. On remplace x par 1, donc ça fait 4 fois 1, 4 moins 2 moins 7, donc moins 9, et 4 plus 5, ça fait 9, 9 moins 9, 0, donc racine évidente moins 1. Donc on peut écrire le polynôme de la façon suivante, p de x est égal à x moins 1 fois ax au carré plus bx plus c. Si on développe, on va trouver ax puissance 3 plus b moins ax au carré, plus c moins b x moins c. On identifie ensuite les coefficients de ce polynôme avec cela. Donc ça veut dire que on a un système d'équations qui va être a égale à 4, b moins a est égal à moins 2, c moins b est égal à moins 7, et c moins c est égal à 5. Donc on a alors a est égal à 4, c est égal à moins 5 et b est égal à, donc là si on peut s'intéresser de la première équation ici. Donc deuxième équation, ça va nous donner b est égal à moins 2 plus a, donc moins 2 plus 4, 2, b est égal à 2. Donc finalement p de x c'est égal à x moins 1 fois 4x carré plus 2x moins 5. On peut développer cette expression pour retrouver p de x est égal à 4x au cube moins 2x carré moins 7x plus 5. Donc une urne contient 4 boules vertes et 2 boules jaunes. On tire successivement avec remise 3 fois de suite une boule. On note x, la variable aléatoire qui prend comme valeur le nombre de fois qu'on a tiré une boule jaune lors de cette expérience, déterminée p de x est égal à 2. Alors, x va suivre la loi binomiale de paramètres
Donc, 2 sixièmes. Et n va être égal à 3. Donc, on remet deux fois. Donc, P de x est égal à 2. Alors, P de x est égal à 2 est donné par la formule suivante. Combinaison entre 2 et 3, fois, donc, P, donc 2 sixièmes, donc 1 tiers au carré, fois 2 tiers. Alors, ici, bah, ça va être 1, fois 1 tiers au carré, 1 neuvième, fois 2 tiers. Donc ici, on aura 2 27e. Donc la probabilité, ça va être 2 27e. 10. Déterminer le sens de variation de la fonction f qui a x associé 3x carré moins 2x plus 1. Donc f de x est égal à 3x carré moins 2x plus 1. Alors ici, on va utiliser la dérivée de la fonction. Donc f' de x. Donc la dérivée de 3x carré, ça va être 3 fois 2x. Moins la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 1 c'est 0. Donc 6x moins 2. Pour avoir le sens de variation, bah on va faire f' de x est égal à 0. Donc 6x moins 2 est égal à 0. Donc ici on a le changement de variation. 6x moins 2 est égal à 0. Alors bien entendu, changement de variation parce que ici on a un polynôme du second degré. Donc on a un changement de variation au sommet de la parabole. Donc 6x moins 2 est égal à 0, 6x est égal à 2, x est égal à 1 tiers. Donc 2 sixièmes, 1 tiers. Bien entendu, f' de x est... donc a ici c'est positif, 6 est positif. Donc nous avons 6x moins 2 négatif quand x est inférieur à 1 tiers. 6x moins 2 est positif quand x est supérieur ou égal à 1 tiers. On va tracer le tableau de variation. Donc ici x, f', f' de x. Donc on place 1 tiers, ici c'est 0. Négatif à gauche, positif à droite. Donc ici la fonction va être décroissante. Et ici croissante. Ensuite on peut calculer f de 1 tiers. F de 1 tiers ça va être 2 tiers. Et donc ici f... Et la fonction f est décroissante sur moins l'infini 1 tiers et croissante sur 1 tiers plus infini. Et bien entendu, il faut rajouter ici moins l'infini plus infini. Et voilà, le Let's Math est maintenant terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.